Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans le rayon Leclerc. Ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est qu'à la base, on devait emmener le PC en réparation. Du coup, je l'ai emmené. Le mec, il a regardé, il a mis du jus dedans. Et bon, au final, le PC ne démarre pas. Il chauffe toujours. Donc, du coup, lui, il pense que c'est mort, que le processeur a reçu une surchauffe et que du coup, ça ne marche plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener dans un deuxième réparateur pour vraiment faire un bon devis, histoire d'être sûr que si lui il me dit que c'est mort, que ce soit vraiment mort. Donc bah là, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Bon, voilà, alors on va parler un petit peu, puisqu'il y a eu quand même quelques changements après le tournage de cette vidéo. À l'heure actuelle, on est le 24 janvier 2022, donc en gros, la vidéo que vous avez vue a été faite le 22, c'est-à-dire samedi dernier. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que pendant que j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que l'explication que je vous ai donnée dans le Leclerc n'était pas assez convenable. Alors du coup, j'ai décidé de reprendre la caméra, de la rallumer, et de vous expliquer un petit peu plus dans les détails. Alors déjà, le PC, quand on le démarre, quand on essaye de le démarrer, qu'on met de l'alimentation, donc que ce soit via la batterie ou via le chargeur, tout de suite, dès que l'alimentation est connectée, on a le processeur et un autre petit composant qui surchauffe, qui commence à chauffer terriblement, sans même qu'on appuie sur le bouton power, le bouton démarrage. Donc, mon explication, c'est que, à mon avis, la batterie, étant donné qu'elle était en fin de vie, elle a donné une surtension à la carte mère, qui la carte mère n'a pas compris, et du coup, ben, elle détecte pas si elle a la bonne tension ou pas, puisqu'elle est en erreur, et du coup, ça fait que, peu importe la manière d'alimentation de l'ordinateur, on n'arrive pas à démarrer l'ordinateur. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, il est actuellement derrière, ici, sur le bureau. Donc pour l'instant, je vais le laisser là, et puis d'ici quelques temps, je vais retourner chez un autre réparateur, un concurrent, pour aller lui aussi lui demander un devis. Et s'il me ressort la même chose que le premier devis, eh ben on récupérera le disque dur, les fichiers, et puis on dira au revoir à la carte mère Nvidia. À la carte graphique Nvidia, pardon. Donc voilà, c'est comme ça qu'il devrait se terminer ce PC, mais c'est pas grave parce que je l'ai monté quand même, je l'ai eu le 27 décembre 2016, donc ça fait un bon bout de temps maintenant. Ce PC Dell avec lequel j'enregistre actuellement, il date de 2014, donc c'est encore pire. Mais vous voyez, il marche encore, celui-ci je le garde, j'y touche pas. Par contre, lui là-bas, je vais récupérer sûrement le disque dur une fois qu'il sera mort, parce que bah, y a plein de dossiers dessus. Il y avait quelques dossiers OMSI 2, je crois, mais bon, OMSI 2 maintenant, bah, ça sert à rien, puisque bah, voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous faire un retour un petit peu plus convenable que le retour que j'ai fait dans le Leclerc qui était absolument terrible. Donc voilà, pour l'instant, on laisse ça de côté. On va espérer que cet épisode vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge. Puis moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!